Non, c'est Tarah Ernest, fait Boston et à 2 mois, je suis rentrée à Pòtoprens, à Haïti, et c'est là que je grandis et commencé l'école. Ma maman, c'est mon Gonaï, et la famille Auguste, et papa, Edouard Ernest, du Cap Haïtien. Je suis payé à 8 ans, en 1998, c'est là que j'ai traversé Malvive en Floride. À 8 ans que j'ai quitté et j'ai fini l'école en Floride. Après ça, j'ai rentré à l'université. Côté, j'ai appris sciences aéronautiques et c'est là tout que j'ai appris à voler. Pour me faire premier vol, moi en 2008. Je connais dans la vidéo, j'ai dit 2018, mais vraiment, c'est en 2008 que j'ai fait premier vol. Ça a vraiment marqué, mais puis de renforcer motivation. So, après 2008, j'ai fini l'école. J'ai pris un cours entre 2008 jusqu'à 2013. En 2013, j'ai commencé à travailler comme instructeur de vol dans même l'école que j'ai pris un cours là-dedans. Et je travaille jusqu'à 2015. Et après ça, j'ai décidé d'aller en compagnie dans le secteur privé, côté que j'ai fini le nombre d'heures que j'ai besoin pour jouer une licence qui permet mon travail pour une ligne commerciale. Bon, j'ai une petite difficulté comme si dans le genre de... nous connaissons que l'étude aux États-Unis n'est pas gratuite, so, un genre de comme si... pour me financer carrière là et so on est obligé de chercher un côté comme si chercher bourse pour aider pour me joindre qui gens pour faire ça. Vol ça c'était vraiment un vol qui était très important pour moi. Viens apprendre que m'a fait vol ça jour avant. So dès que t'as écrit famille ça que oh mais m'a fait vol là demain mais je suis triste parce que je ne suis pas capable de voler avec moi. Je ne suis pas capable de faire l'expérience avec moi. Mais quand je suis rentré à Haïti, je vois que c'est tout le pays qui vient faire l'expérience avec moi. Et je ne suis vraiment pas capable de faire ça, mais ça a vraiment touché comme j'ai un pays à accueillir. Je ne reçois pas, je ne relève pas le pays. Ça a vraiment, vraiment touché. Je n'ai pas grandi comme si je me voulais dans le métier. Ça. C'était un jour, je suis allé montrer un manège que, et puis je détourne mes sensations d'être en l'air. So, je cherché un genre pour moi qui j'aime faire une sensation pour tout le temps. C'est là que je me décide. Je dis bon, je vais le pilote. Je vais faire psychologue parce que je vais faire une batte là. Bon, je souhaitais ma faire reste carrière dans American Airlines. Je vais commencer avec eux, je vais commencer en février. Je vais au moins 30 ans avec eux que je vais continuer à faire vol. Je vais essayer de prendre un grade et pour me devenir capitaine. Bien pour commencer à piloter un plus gros avion. Quand j'ai piloté Boeing 737 là, j'ai souhaité un jour piloter comme capitaine Boeing 787. Je m'écris, oui. Bon, pas seulement comme si c'est la langue que j'aime, mais j'aime Haïti. J'aime Haïti, c'est le pays, c'est quand je me sorti, c'est là que je me sentis que je suis là. Bon, je choisis American Airlines parce que c'est une compagnie qui a une relation avec Haïti pour plus de 50 ans. Toutes les autres compagnies, JetBlue, Spirit, oui, ils font vol à Haïti, mais ils n'ont pas la même relation que American Airlines a avec Haïti. Et puis, comme je dis, c'était toujours rêve, moi, qu'un jour, je vais faire vol ça, que je saute faire. C'était la première raison que je choisis vol ça. Deuxième raison, parce que American Airlines a une base Miami, habite Miami, so il est plus facile pour moi pour travailler de Miami avec American Airlines. Oui, je pense que c'est vraiment réussi pour moi. Si j'ai un message pour me faire
jeune yo ça me ka di premièrement ça me ka di c'est pour curieux là me dit ça ça veut dire comme si pour poser mon question ça veut dire pour comme chercher ça le monde gain pour le offrir nous et essayer des choses nouveaux c'est comme ça que on ka découvrir un patient que on pas connait de gain encore m'a dit que peut-être faut qu'on gagne discipline parce que n'est pas facile, c'est difficile. Mais faut travailler dur, faut faire diligence, faut faire sacrifice. Et puis, faut toujours résister quand même. Encore m'a dit faut que nous persévérer, a toujours gain obstacle même moi-même me confronter un paquet d'obstacles, même pas quitter ça tomber, me pas larguer ça. So, c'est pas parce que juste parce que on monde dit nous non, on monde dit nous pas capable pour quitter ça. Et juste faut continuer, faut travailler dur et puis l'arrivé, la privé. Pour jeune fille yo même a dit faut nous valoriser tête nous, faut nous respecter tête nous pour l'autre monde ca respecter nous parce que l'aller le pour étoile briller. C'est pas pour soti comme si qui important c'est chemin plan pour arriver l'autre bord. C'est ça qui est important, so valoriser tête nous. Ça ça me ka di c'est que nous chita là devant nous même nous connaît que c'est m'arriver là pour moi c'est avec support de ma famille que et support même support Haïti tout que me cacher là devant.